Allez, on va dans quelques instants assister à cette première finale de la MV Cup. Allez, et c'est parti. Et c'est Sylvain Dabert qui va faire le one-shot. Sylvain Dabert qui fait le one-shot à moins que de l'extérieur. Non, Vivien Gonnet, ouais, super. Non, c'est la cour. Maxime Lacour. C'est la cour. La première droite là-bas. Oh, c'est la course, je crois, qui a fait le all-shot, non? Allez, non, Vivien Gonnet qui doit passer. Sylvain, tout de suite à l'intérieur, je crois. Il est passé. Sylvain est passé à l'intérieur, me semble-t-il. Gonnet, la cour. Oh, ce départ, les enfants. Ah ben, ça va donner. Allez, 10 tours. 10 tours maintenant de régalade, 10 tours de plaisir, 10 tours de passion, 10 tours de folie. Et non, c'est Randy Perresson. Attends. Et oui, il est quatrième, Sylvain Dabert. 1, 2, 3, 4, 4. Allez, Randy. Perresson, Randy Perresson. Le pilote de Grenoble. Excellent. Il avait fait troisième des chronos tout à l'heure. Allez, Randy. Allez, c'est bon, ça. On vous donne l'ordre de passage. Alors, Perresson, Bonnet, Lacour, Emery, Dabert, Colomban, Valla, Martinez, Brancy et Vicky. Voilà les 10 premiers. Ouais, c'est bon. Écoute, pour l'instant, Dabert, 5e. Ouais, même s'il reste 5e, je pense que c'est bon. Hein. Allez, on comptera tout à l'heure. Mais bon, ouais, à la pression, on l'a lié. Hein. On a eu une chute, puisqu'on a un pilote qui arrive retardé, là. Ouais, c'est Kevin Mali, je crois. C'est Kevin. Allez, toujours Randy Perresson, Vivien Gonnet, Maxime Lacour. Toujours Maxime Emery 4, ouais. 5 Sylvain Dabert. Bah, écoute, pour le moment, il a juste à suivre. Oui, mais c'est ce qu'il fait. Alors, est-ce qu'il va tenter d'aller chercher une place ou deux? Les calculs ont dû être faits pendant l'interruption là, de la MV Cup, mais pour l'instant, Perresson, génial. Ils sont à quelques dixièmes les uns des autres. Allez, deuxième tour, Perresson, Lacour à 5 dixièmes, Lacour à 6 dixièmes. Incroyable. Emery, Dabert, Colomban qui est revenu, Valla, Martinez. Et voilà, tous ces pilotes. Allez, on va aller jusqu'au 10 premiers, Brancy et Vecchi, ouais. Ça, c'est les 10 premiers. Vous remarquerez un petit peu le petit truc de coquetterie avec les rayons qui clignotent du côté... Maxime Lacour, super course aussi, troisième. C'est Maxime Lacour qui a les rayons. C'est troisième avec les Lakawa. Voilà, c'est ça. Allez, Sylvain Dabert qui tente... Qu'est-ce qu'il nous a fait, Sylvain Dabert? Il est à l'attaque ou pas? Non, il est là, il suit, il s'en fout. Quatrième toujours. Il vaut mieux qu'il s'arsouille devant. Non, allez, cinquième. Qui c'est qui passe? Maxime Lacour essaye de passer Vivien Gonnet. C'est magnifique, là. Ah oui, là, tous les quatre. Allez, super baisse, on les encourage. Allez. Allez, tous les quatre à quelques dixièmes. Là, quel spectacle magnifique. Avec Maxime Emery, avec Vivien Gonnet, Maxime Lacour et Randy Perresson. Alors que Julien Colomban, lui, est revenu à la cinquième place. Et il partait quand même sur la troisième ligne tout à l'heure, Julien Colomban, et il revient cinquième. Ouais, super courte. Sébastien Valla aussi, sixième. Franck Brancy, septième. Qui c'est qui nous manque dans les meilleurs? Le monde est devant. Non, j'ai un souci avec le chrono, là, il n'est plus là, Colomban. Il est passé devant, c'est pas possible. Allez, Randy Perresson, ça klaxonne derrière. Allez, Randy. Regardez ça, ils sont collés serrés. Ils sont en train de jouer la big hit, là, nos quatre pilotes. Allez, Randy Perresson. Et Dabert qui revient. Et Sylvain Dabert qui est en train de revenir. Sylvain Dabert qui raccroche le peloton, attention. Ah, faut pas aller tenter le diable, là, Sylvain Dabert. Oh là là, quelle course magnifique. Toujours Gonnet, Lacour, Emery et Dabert qui est revenu. Allez, et Colomban, cinquième. Oh là là, Randy Perresson, ce qu'il leur met là-bas, mais c'est incroyable. Incroyable. Ah, j'espère qu'il va tenir, mais ça serait géant. Luc Severna, celle de Randy Perresson. Ah, il me disait, mais je m'éclate, mais je ferai un panard sur le goudron, ça tient comme sur le... Attention, ça revient derrière. Aïe. Ça revient Gonnet, un petit peu derrière. Passe. Allez, ça passe Gonnet. C'est passé. Vivien Gonnet qui arrive à passer maintenant. Attention, il va lui remettre à l'intérieur peut-être. Non, il n'a pas réussi. La course magnifique. Et c'est Vivien Gonnet qui prend la tête. Vivien Gonnet, Perresson, Lacour, Emery et Dabert. Ils sont 5 à pouvoir aller chercher la victoire dans cette finale. Quelle course magnifique. Les écarts sont. Il y a quelques dixièmes entre le premier Vivien Gonnet et le troisième Lacour. Il y a 6 dixièmes. Perresson qui repasse, mais dans la descente. Ah là-bas, il est truc de malade. Hein. Ah, par contre, le freinage. Je crois que Maxime Emery est passé devant Lacour. Oui, troisième. Le freinage de Maxime, là, c'est impressionnant. Impressionnant. Et Sylvain Dabert qui recolle de plus en plus. Il était à une seconde et demie. J'ai l'impression qu'il revient. Le pilote de Luc Severna, numéro 37. Allez, encore 4 tours. Oh là là, quel spectacle devant. Allez, Emery, ça va passer à l'intérieur. Non, ça passe pas. Ils sont toujours 4. Allez. 4 pour les places d'honneur de cette première finale de la soirée. Et c'est toujours Vivien Gonnet. Devant Randy Perresson, Maxime Emery, Maxime Lacour et Sylvain Dabert. Sylvain Dabert qui est à une seconde et demie, je vous disais tout à l'heure. Eh bien, Sylvain Dabert s'est rapproché, regardez. Il est maintenant pratiquement au contact des pilotes de tête. Regarde Perresson à la réaccélération, c'est un truc
Là, incroyable. C'est incroyable. Ouais, incroyable. Mais là, la cour en met aussi. Hein. Ah ouais, ouais, la cour en a mis aussi. Ouais. Emery retarde les freinages. Sylvain Dabert aussi. Allez, Sylvain, ça sent bon. Je pense que du côté du cœur de Fred, là-bas, ça doit prendre des tours dans la zone rouge. Oh là là, il va rester 3 tours. Hein. Ah ouais, c'est ça. Oh là là, magnifique spectacle. Mais là, oh, ils ont fait un trou, mais énorme. Ah ouais, mais là, énorme. Tous les 5, il y a la bagarre énorme. Ils se battent comme des chiffonniers. Allez, toujours le même homme de tête là, c'est toujours Vivien Allez, Gonnet. Randy Perresson, allez Vivien Gonnet. Et Perresson au freinage. Attention Perresson au freinage. Pas de bêtises, non, pas de bêtises. Et Sylvain Dabert qui raccroche. Ouais, il s'est fait une chaleur là. Ouais, il s'est fait un petit peu une chaleur, mais pour l'instant, on a un superbe spectacle, des freinages retardés au max. Oh là là, l'accélération là-bas. Emery Colombin là-bas, les gars. Ah là, ils sont chauds. Hein. Je sais pas qui c'est qui disait ça, mais ça envoie du steak, les amis. Ouais, c'est moi. Allez. Ah, c'est toi, d'accord. Allez. Le retour, attention, les attardés là qui vont voir passer 4 missiles, 5 missiles pratiquement. Donc, Sylvain Dabert a reperdu un petit peu de terrain. Sylvain Dabert a reperdu un petit. Chute à l'intérieur, qui c'est qui est tombé c'est pas Colombin. C'est Perresson. T'es sûr? Ouais, dommage. Ah oui, c'est Randy Perresson qui tombe. Sylvain Dabert qui gagne une place parce que pour l'instant on a la cour. On doit avoir. Le chrono s'affole. Là, on doit avoir Vivien Gonnet, je pense, la cour. Ouais, Gonnet Emery la cour. Non, il est là, Perresson. Non, il est cinquième. Oui, il y a un problème avec Julien Colombin. Oui, il y a un problème avec Julien Colombin. Effectivement, on a un petit souci sur nos comptes. Mais enfin bon, on va suivre la bagarre en direct. On va quand même calculer parce que allez, 30 vas-y, calcule. T'as pas une plus grosse feuille, je vois plus rien. Non, j'ai pas une grosse feuille. Non, bon, écoute, tant pis. Change d'œil. 42 d'oeil. Points d'avance. Il a donc, 41 30, d'avance. Donc il va perdre 10 points. C'est peut-être pas sûr ça. C'est peut-être pas sûr. Dernier tour sur l'homme de tête. Vivien Gonnet, moto numéro 4. Après derrière, on a Maxime Emery de 1. On a Maxime Lacour et on a Sylvain Dabert. Donc on a Vivien Gonnet, numéro 4, est toujours en tête. Il faut se fier à ce qu'on voit sur la piste et pas ce que nous indiquent nos écrans. Parce que c'est vrai que c'est compliqué avec la boucle de chronométrage. Et on va voir si Vivien Gonnet va réussir à éviter et surtout reprendre des points. Il est deuxième du classement général provisoire, Vivien Gonnet. Vivien Gonnet, il est où? Il est là-bas. Il est en tête. Ah oui, là, il a fait le trou. Non, mais là, s'il tombe pas, c'est tranquille. Hein. Ah ouais, mais derrière. Attention, ça klaxonne, les attardés. C'est bon, ça va le faire. Ça va le faire. Allez, Maxime Lacour, Maxime Emery, c'est chaud là. Hein. Allez, le drapeau d'année. Allez, la victoire, allez pour Gonnet. Magnifique. Ouais. Et c'est fait. Vivien Gonnet. Ensuite, on a. Et Sylvain Dabert, alors du côté. Ça y est, c'est fait, j'ai l'impression parce que. Ah ben oui, hein. On a un schtroumpf bleu. On a un schtroumpf bleu qui saute de partout. Je pense, écoute. Je crois. Voilà, c'est fait. Ah ben voilà. Voilà, messieurs, est-ce que je peux intervenir vas-y, ou pas vas-y. Bon, bien sûr. Avec Fred Dabert, Pascal, viens. Tiens, on va se rapprocher, Fred. Alors.